Bonjour, alors dans les vidéos précédentes on a vu pas mal de, de manières de faire des additions. Dans cette vidéo ce qu'on va essayer de faire c'est des soustractions cette fois-ci. Alors là j'ai préparé une soustraction hein, que j'aimerais bien que tu fasses tout seul en mettant sur pause. C'est 65 moins 23. Voilà. Alors maintenant, en supposant que tu as essayé de le faire tout seul, on va le faire ensemble. Alors déjà, la première chose que je te rappelle, c'est que euh, quand on écrit les, les nombres de cette manière-là, en fait, le chiffre qui est le plus à, à droite, celui-ci, c'est ce, le chiffre des unités. Hein. Voilà. Donc ici, le chiffre que j'ai représenté en jaune, c'est le chiffre des unités. Et puis le chiffre que j'ai représenté à droite, en violet, c'est le chiffre des dizaines. C'est le chiffre des dizaines. Et d'ailleurs, si on veut, on peut très bien matérialiser des colonnes. Hein. Je vais faire ça comme ça ici. Voilà. Je vais faire la, les places des unités. Hein. C'est là où est-ce qu'on, là où on va placer le chiffre des unités. Donc, combien y a d'unités ici Et puis à côté, je vais faire une colonne pour montrer que ça, c'est la, la place des dizaines. Voilà. Alors, du coup, maintenant, ce que j'aime bien faire, en général, c'est comme ça qu'on fait, on commence par euh, regarder les unités. Donc, euh, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est regarder. En haut, j'ai 5 unités, je dois en enlever 3. Hein. C'est ce qui se passe quand je fais cette soustraction-là. J'ai d'abord 5 unités et j'en enlève 3. Donc, il faut que je fasse 5 moins 3. 5 moins 3, ça fait 2. Donc, dans, ce, dans le résultat, il y aura 2 unités. Ensuite, je vais passer à la colonne des dizaines et je vais tout simplement soustraire les dizaines. Alors ici, j'ai 6 dizaines et je dois en enlever 2. 6 moins 2, donc je vais me retrouver. 6 moins 2, ça fait 4. Donc je me retrouve avec 4 dizaines. Donc voilà le résultat de la soustraction, 65 moins 23. Ça fait ce nombre-là qu'on qu lit, c'est 4 dizaines et 2 unités. Donc c'est 42, celui qu'on qu qu appelle 42. Voilà. Alors j'aurais pu voir ça d'une autre manière, hein, comme on a fait souvent avec euh, les additions. En fait, quand j'écris 65, 65 c'est 6 dizaines, je peux l'écrire comme ça, 6 dizaines plus 5 unités. Ça c'est 65. 6 dizaines plus 5 unités. Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est enlever, alors je vais soustraire. En fait, quand j'enlève 23, j'enlève 2 dizaines et 3 unités. Alors je vais faire moins les deux dizaines, moins 2 dizaines, moins, il faut que j'enlève aussi les unités, hein, donc moins 3 unités. Voilà. Donc ça, c'est une autre manière de voir cette soustraction-là. 65 moins 23, en fait, c'est 6 dizaines plus 5 unités. J'enlève... 2 dizaines, donc moins 2 dizaines, et j'enlève aussi 3 unités. Donc c'est 6 dizaines moins 2 dizaines, plus 5 unités moins 3 unités. Alors on peut, on peut le faire comme ça, je vais faire un trait comme d'habitude. Là j'ai 6 dizaines moins 2 dizaines, ça fait 4 dizaines. 4 dizaines. Et puis, là j'ai 5 unités moins 3 unités, donc il me reste 2 unités. C'est exactement ce que j'ai fait ici en colonne. Donc finalement, ben, quand je vois cette soustraction-là de cette manière-là, je me retrouve avec un nombre qui est composé de 4 dizaines et de 2 unités. Donc c'est 4 dizaines plus 2 unités. Donc finalement, je me retrouve avec ce nombre-là, 4 dizaines plus 2 unités, c'est 42.